La seconde guerre mondiale vient de se finir. Les pays d'Europe veulent éviter un nouveau conflit. S'unir permettrait de garder un peu de puissance face aux deux nouvelles superpuissances. Le rapprochement entre la France et la RFA est impulsé par François Monet et Robert Schuman. Ils proposent de mettre en commun les productions de charbon et d'acier des pays d'Europe occidentale, dans le but de favoriser la reconstruction des pays détruits par la guerre mondiale. Mais l'objectif est aussi de maintenir la paix, faire des anciens rivaux de nouveaux partenaires, avoir une convergence d'intérêts en réalisant des projets concrets. En 1951, naissance de la CECA, Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. France, Italie, Benelux et RFA sont les pays signataires de ce traité. Signature du traité de Rome en 57, naissance de la Communauté Économique Européenne et signature d'Euratom pour l'énergie atomique. Pour l'énergie atomique. Quand la Seconde Guerre mondiale arrive à son terme, il est nécessaire de créer une unité européenne. Création de diverses institutions, élargissement et approfondissement. Quand la Seconde Guerre mondiale arrive à son terme, il est nécessaire de créer une unité européenne. Création de diverses institutions, élargissement et approfondissement. La CEE a pour objectif...